Ok, maintenant la mission interférence qui est désormais débloquée et débloquable. Ah, donc on va pouvoir enfin commencer à faire une mission propre ou passe saisonnier après toutes ces péripéties. C'est parti. J'espère que je vais pas me faire éclater le cul, normalement ça devrait aller. Sinon au pire je changerai d'armure. Normalement, ça devrait se passer ok, quoi. Alors, tac. Qu'est-ce qu'on a eu finalement donc, de ces assauts? Pas grand-chose, hein, mine de rien. J'ai pu pas mal utiliser. Alors, cette nature de la bête, d'ailleurs, j'aimerais savoir. Est-ce que je l'avais déjà? Non, je crois que j'avais déjà, en fait. Hein. C'est ça. J'avais déjà. Alors. Ouais, la graine, c'est ce qu'on a. Hein. Je rappelle, c'est le truc. Alors, attends. Là. C'est ça, la graine d'aile argentée. Alors, hop. Donc, c'est parti. On est sur Io, du coup. Toujours. Donc, c'est. On avait déjà vu pendant la campagne. Hein, c'est. La terre des corrompus. Et un peu de cabale. Et un peu de vex. Ah. Fuck. Alors là, on a toujours le même problème hein, qui arrive dans le Destiny 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fois où le saut. En fait, le saut n'est pas en fait. Ne part pas en fait vers le haut. Il part pas vers l'axe Z. Il part vers l'axe qui est perpendiculaire à la surface. Ce qui fait que si ta surface elle est genre en diagonale, et ben tu sautes en diagonale. Même si t'appuies pas. Alors par contre, c'est. Lumineux sa mère hein. Alors là c'est l'arbre qu'on avait vu dans le prologue déjà. Et lui c'est le truc qui s'était barré hein, c'est bien ça. Bon globalement il faut les buter quoi. Je suis un bâtard quand même d'avoir changé de cible en plein milieu alors qu'il faut que je les tue pour pouvoir récupérer des munitions. J'ai rechargé alors que j'avais 8 balles. J'avais même pas appuyé sur R. Ça c'est quelques petits bugs du flingue, mais bon. Alors ça, ce ne sont pas des vrais adversaires, hein. Les espèces de trucs tout noirs qui sont pas blancs. Ça, c'est parce qu'ils ont été créés par ces reines. Ces reines à Williams. Mais c'est toi qui m'as one shot comme ça, là? Ah non, non, il y a elle aussi, on est d'accord. Alors c'est vrai que, mine de rien, je trouve que c'est très très intéressant d'avoir une arme comme ça, avec des munitions qui ont un élément. Pour armes avec des munitions principales parce que comme ça permet de péter les shields très facilement parce que mine de rien t'en as pas vraiment besoin sur une arme avec des munitions secondaires parce que c'est généralement elles sont plus puissantes. Ah. Et du coup ça te rend plus versatile. Allez une petite infection pour vous les gars, je crois que vous mourrez tous là normalement. Je vais voir mais ouais là t'es mort mais toi tu meurs pas toi. Viens là. Ah. Ah merde, mais vous êtes là aussi, vous. Il faut y aller, de toute façon, là, on est d'accord. Ouais, ça a été. C'est là où on a cherché la graine, hein, dans le prologue. Là où on l'a trouvée. Ça, mais quand même vachement stylé, hein. Je vais pas vous le cacher. C'est pas ce que je voulais faire. À chaque fois, du coup, je. Qu'est-ce que c'est que ça? Salut. Alors. Oh putain. Allez, meurt, voilà. Là, cette infection est quand même vachement stylée, je vais pas vous le cacher. Hop. Il faut que je descende, là voilà, c'est ça. En fait j'ai toujours l'impression que les armes avec les munitions secondaires c'est en position 2. Alors qu'en fait celle-là elle est en position 1 parce qu'elle a pas d'éléments. C'est le fusil automatique qui est en position 2. Et mine de rien ça te nique un peu tes réflexes. Parce qu'il y a des moments où je vais tirer avec le bazooka et comme je l'ai fait plus tôt. Voilà par exemple là j'ai failli tirer avec. Hop. C'est bon de faire une infection corrompue sur des corrompus. En même temps, ça allait pas les heal non plus. Je me doute bien que ça serait un peu bizarre. Hop. Yé, t'es mort toi? Ah bah dis donc. T'as l'infection, par contre, c'est giga pété sa mère. Alors, par exemple, toi, si je pouvais essayer de t'en toucher un. Ok, j'ai loupé. Je crois qu'il s'en prend une. Putain, il se prend 2000 par seconde? Non, c'est 4000 même. Il y en a combien là?
Oh, c'est pas mal, hein. Attends, ce qu'on a dans Warframe, là, je teste mes dégâts. On va en garder quelques-unes quand même. C'est bon? Oh bah il a... Très rapidement. Donc on était TP cet endroit. Alors là on avait déjà vu dans le prologue aussi cet endroit. Et on avait dû se barrer à cet endroit parce qu'il y avait un peu trop d'ennemis. Là ils ont rajouté des lanternes. Est-ce que je peux me faire tuer? Oh, il y a moyen que je me fasse tuer. 2 secondes. Allez! Oh putain, presque. Ah! Il faut que je me mette sur le rocher, peut-être. Ah, oh, j'ai loupé mon saut. Oh, il m'a poussé loin, sa mère! Mais il m'a pas tué, par contre. Hop là, prenez cette grenade, vous me direz des nouvelles. J'essaie toujours d'optimiser mes munitions, c'est ce qui me perdra. Oh fuck. Même si je ne suis pas là en réalité. Illusion d'optique. Mais t'es toujours pas mort toi. Ah! Allez, viens là. Ah là là, sacré corrompu. C'est vrai que la première fois qu'on a vu les corrompus, je crois que c'était dans une campagne par exemple. Je crois même pas qu'ils étaient là dans le jeu de base de Destiny 1. Je crois que c'est dans une campagne qui a été rajoutée par les DLC. Ah, je vous jure que quand on les a vus, on a fait ah ouais quand même. En même temps, c'est une faction qui peut paraître un petit peu, comment dire. Dis-moi. Un petit peu, enfin je me doute bien que s'ils avaient été dans le jeu de base de Destiny 1, si c'est le cas, et que genre ils avaient pris la place d'autres ennemis, on vous aurait fait bon quand même les gars, hein. C'est sympa mais quand même. Parce que c'est vrai que c'est techniquement une faction entre guillemets recyclée, normalement tout le monde a ça, même dans Warframe il y a ça avec les Orokin, qui sont en gros formés de, des, ça on peut pas rentrer là-dedans. Il faut disperser, ah putain mais d'accord, okay. Très bien. Bah, c'est petit par... Alors attends, y en a pas un ici d'ailleurs du coup. Ah mais celui-là du coup il faut qu'on... Ok. Il faut d'abord qu'on désactive les autres. Ah les phases de plateforme dans un jeu, dans un FPS. J'adore faire ça. Vous allez pas... Merci. Ah je peux pas bouger. Yes. S'il te plaît, laisse-moi 2 secondes. Voilà. Oh sa mère tu fais mal. C'est toi là en fait, petit bâtard. C'est bon? Y'a pas des ennemis qui vont se pop là quand même à un moment? Non? Oh, c'est stylé quand même. On dirait un riser. Oh, il le fout dans un son de musique. Il mettra un gigantesque drop à la fin. Wow! Non, ça a rien fait. Ok, d'accord. C'est juste. Une onde pour montrer. Ah, grou grou! Ouf! Ouais, je suis tombé de la plateforme au moment où je voulais sauter. Alors, ouais, bonjour, bonjour. Putain, la grenade qui tombe pas. Oui, bon, des fois, ça, il y a des problèmes de collision avec les grenades. Je trouve un peu bizarre. D'ailleurs. Il s'est téléporté ce petit bâtard de Minotaur. Personnellement, je trouve que c'est pas loin d'être ma faction préférée, les corrompus. Je trouve que la texture qu'ils ont globalement et tout ce qui est rattaché avec eux, c'est assez stylé. Ah, oh, il faut aller voir là-bas. Par contre, qu'est-ce qui me tape là? Oui, on est d'accord, c'est bien en train de me taper ça. Ah, il était en train de taper quelqu'un d'autre, mais je sais pas ce qu'il faisait. Hein, je... Il tirait pas dans ma direction, donc je crois qu'il tapait là où j'étais avant. Genre, il tape ma cover. Pour voir si je vais peut-être pas me dire, tiens, je vais sortir de ma cover parce qu'il est en train de me taper là quand même. Il faut que je réponde. Putain, je suis bloqué. Je suis bloqué.
C'est bien, c'est la première mission qui me fait ça. Où je suis bloqué quand je suis dans des plateformes. En même temps, c'est des plateformes un peu sphériques. Ah, what the fuck. Je peux comprendre que ce soit pas la meilleure physique du monde à foutre dans un jeu. Les petites munitions. Alors on va regarder un peu. Alors, je sais pas quel est le meilleur viseur pour regarder ce qui va se passer là-bas. Putain. Regardez-moi ça. Ok, bah ça c'est juste c'est juste enlevé en fait. Tac. Alors. Ah, il faut faire gaffe, hein. Ah, je suis pas serein quand je suis sur ces plateformes là. Alors, ça, faut que je te nique, voilà. Il y a toi aussi, surtout. Ah, il se TP et il est invisible. C'est stylé, cette chose. Ah, et donc toi, tu es. Ouais. Oh, ça me touche de là. Wesh. Tu sens pas mal là, tout va bien là. Il s'est pris l'infection, rassurez-moi. Ouais, il me fonce dessus. Arrête de me foncer dessus. Ça y est, là il s'est pris. Il se l'est pris. Tu vas donc saigner jusqu'à la mort. Et wesh quand même. C'est bon. Hein, toujours pas. Hein. Allez. Il faut. Mais bordel de race. Il me fonce dessus. Oh mais les dégâts qu'il ne prend pas. Allez. Oh oh. Aïe. C'est bon, tu meurs? Oui. Oui. Parfait. C'est bon, je peux me capturer? Oui, il y a un Minotaur, mais il a peur de. Il a peur de vouloir venir. Je sens venir à la couille. Oh putain, c'est la première fois que je vois ça, tiens. Bah wesh. Bah vous mettez pas derrière, c'est moi qui capture le truc. Je capture le point et toi tu. Toi tu te mets à couvert. Bah, bravo ça. C'est y part. Ah. On n'a pas beaucoup de transmissions, on n'a pas beaucoup de scénarios dans cette mission, tiens. On n'entend pas énormément de dialogue, que ce soit du Spectre, d'Eris. Je crois que c'est Eris qui m'a envoyé là-bas, quand même. Ce serait bien de m'informer un petit peu. Alors, ça me casse les couilles parce que... Ok, c'est bon. Hop. Ah ouais, c'est ce genre de merde, là. Yo. Ouais, donc là il s'est pris midlife sa mère, voire deux tiers. Ok. Putain, j'ai les sombreros ou pas? Oh, c'est toi qu'il faut que je vise. Hein. Bon, ça va être compliqué parce que. Il va long. Oh sa mère. Utilisons la petite zone de régénération de vie. Que j'arrive jamais à utiliser d'ailleurs, généralement dans des assauts plus puissants. Mais en fait le truc c'est que c'est pas vraiment le pouvoir le plus utile malheureusement. Parce que généralement soit c'est pas... Soit tu meurs avant, soit tu meurs juste après. Ah j'ai loupé, yes. Je lui irai jamais projectile. Lance grenade. Vas-y tu peux infecter tes potes, pendant ce temps je vais... Fuck. Ah, tranquille, elle reste dedans. Hop, elle est infectée. Elle aussi. Ils viennent ou pas les audios? Ouais, ils sont morts? Non, quand même pas. Je me disais, attends, ils ont spawn, mais. Alors. Bah, ouais, je viens. Ah, yo! Ah, j'étais pas là, tu sais, je suis là pour la. Aïe! Sa mère!
Il m'a fait chic à peur. Sérieux là? Ah là. Incroyable cet homme. Enfin cette chose. Ah! Il veut vraiment que... Oh putain. Ok. Ça je me souviens, ça je crois qu'on l'avait vu dans une mission à IO d'ailleurs. Je crois que c'était le boss de fin d'une mission à IO. Sérieux? Arrête de le protéger toi wesh. C'est un combat un contre un. Moi qui le campe et lui qui me campe pas. Ah, allez. Ah, ça y est, il est mort. Loupé. Non. Ok, je te fais pas de dégâts. J'ai vraiment rechargé tout pour lui mettre un truc. Bon là, il est mort là. Non, il est pas mort. Ça y est. Non mais vous pouvez pas détruire. Aïe, 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 aïe. Au secours. Au secours. Aïe. C'est bon. On prend l'engramme. On prend le brassard d'enchevêtrement. Ok. Là, y'a rien là, on est d'accord. Ouais. Bah, messieurs, dames, je crois que c'est parti, hein. Hop, on va recharger de tout au cas où, parce que voilà, on sait jamais, mais normalement on va devoir, ça va être une cinématique. Ou alors on va être avec des gens. Voilà. Yaïs? Ouais, c'est là. C'est parti. Yo. Ce mot désigne le moment avant un changement. Le passage, le seuil. Mais c'est une répétition d'une chose qui s'est déjà produite. Apocalypse ! Une erreur dont on ne peut rien apprendre. La chute, peut-être. Voilà qui est troublant. En effet. Voilà ! Je me suis pris une explosion de puissance. Ok, je peux lui parler quand même ? Cette construction est comme du blanc, pas la couleur, mais l'absence de couleur. Un vide confus, la similitude d'une chose morte depuis longtemps. Le blanc de l'os décoloré, celui du voyageur. Ok. On est parti sur Enigmeland. Voilà un message simple. Coquille d'œuf. Le terme traduit la fugacité et la fragilité attendue. Ok. Les ténèbres voient le voyageur comme une chose qui nous isole du monde extérieur. C'est une barrière que nous devons dépasser et franchir. Ouais, je comprends. C'est vrai que s'il n'y a plus de lumière et que maintenant il n'y a plus que les ténèbres, après derrière on est ouvert à la totalité du monde. Bon, on le voit plus trop, mais... parfait. Je commence à avoir de nouveaux équipements bleus pour enlever les anciens. C'est... je suis pas sûr d'avoir déjà eu ça. Contre, wesh, les 400 secondes, là, de la fin de la mission. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, mine de rien? Parce que, bon... Est-ce que c'est tout, pour l'instant? Et je pourrais revenir plus tard quand il y aura une nouvelle mission qui sera faite dans le pass. Je crois que c'est le cas, hein. Ouais. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres activités, même à la tour. Je crois qu'on m'a donné des trucs, donc je vais essayer d'aller voir un peu ce qui se passe à la tour. Et ouais. Donc quoique, attendez, je peux plus lui parler? Je vais lui parler, ok, très bien. Et là, bon bah ici, il n'y a pas grand chose à faire, hein, on est d'accord. Ah, je suis même pas sûr que je puisse passer. Je vais même pas tirer. Là, il y a une barrière. Bon, normalement, on peut rien faire. Hein. Je devrais me barrer, mais... Putain, mais c'est incroyable, par contre, cet arbre. Comment il est stylé, sa mère. Et même en haut, en fait. Il y a quoi en haut? Putain, mais what? Une fusée de détresse. Comme on l'appelle
Une flare. Hop, normalement je suis piégé dans cet endroit normalement. Je peux pas aller plus loin. Ouais, c'est ça. À moins que en fait je puisse aller plus haut. Franchement, ouais, on a que ça à perdre, hein, honnêtement. Autant voir quelles sont les limites. Pas ici, tiens. Ok. Hop. Tac. J'explore un petit peu cet endroit, vous savez. C'est pas tous les jours qu'on a la possibilité d'y aller. Ouais. Bon, ça me fait chier. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ça? Putain. Qu'est-ce que c'est que cette chose, sa mère? Je sais pas ce que c'est que cette chose. C'est que si je la suis, il y aura des trucs. Hein. On est d'accord que... Ouais. Elle m'indique un endroit particulier. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ah, c'est certainement là. Merde. Pas, on va pas se... Oh putain. What the fuck. Je devrais aller à la tour déjà, hein, mais... Il faut que je vois ce... Est-ce que c'est vraiment juste un bug ou... Ou est-ce que vraiment il faut aller quelque part, hein. Donc c'est que je vois aucun endroit pour aller à travers le mur en fait. Ouais, chiant. Chiant. Allez, tour. C'est parti. Peut-être que je peux refaire cette mission d'ailleurs, je vois. Est-ce que c'est parce que je peux refaire cette mission que je la revois sur Rio encore, ou est-ce que c'est... Ah ouais, non, ok, d'accord. On va revenir à ses fins. Mais ça, on l'a déjà fait, ça. Parvenir à ses fins. Oui, on l'a déjà fait, ok. Très bien. Station des ombres, saison. C'est juste la fête face aux ténèbres et ok. Ça, c'est des programmes, ça, c'est les exotiques et ça, c'est les trucs qui s'est passé avant, ok. Et j'ai encore pas mal de trucs, hein, putain. Mais bon, la plupart des trucs, c'est soit le gambit, soit l'épreuve, soit. Des trucs beaucoup trop chiants, hein. Genre les raids. Mais vraiment, bon. Quand t'es genre comme moi qui est exclusivement solo PVE, t'as plus grand chose à faire sur le jeu. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce suivi via le pass saisonnier, mais aussi avec les extensions qui vont arriver d'ailleurs. Apparemment, ils ont pas mal de trucs de prévu. On verra. Brum brum. Alors. Bon, déjà, j'ai pas mal de trucs que j'ai pas eu. Ouais, genre 2 quoi. Ouais, 1005 et 1005, c'est pas ouf. Normalement, on est censé pouvoir aller jusqu'à 1040 au moins, vu que apparemment le niveau conseillé sur certains ennemis et sur le donjon de la tour, c'est 1050. Enfin, 1040. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas encore au bout de nos surprises. Ok, il va juste falloir que je fasse des activités. C'est bizarre d'avoir une sorte d'auréole, là. De collier, hein. Bizarre. Tac, tac. Le bazar. Ah, je peux faire de loin cette tour-là avec... celle qu'on a eue dans les autres Destiny. Que ce soit celle qui s'est fait éclater le boule. Dès le début de Destiny 2 et où... l'endroit qui était sur la Terre, là. Alors c'est toi. Une bien belle cuillerée de miel. Que voilà, continue à m'apporter ce que je veux et je continue à vous mettre les armes en main et les armures sur le dos. Très bien. Alors déjà, on a encore des nouveaux trucs. Bien évidemment, on va chercher l'engramme de nos bras.
Il y en a encore pas mal de trucs. Bon, bon, on va... Tac. Encore un nouvel engramme. Alors... Bof. Ça peut être intéressant. Ça, ça va être intéressant. C'est plus rentable que le reste. Ok. Alors, je vais juste voir. Putain, on a déjà 250 000. Hop. Comment ça va? Ça, ça va. C'est toi, j'en fous en fait, désolé. Je te parle de toi, mais je te parle à toi, mais en fait, j'ai pas vraiment grand chose à te dire. Voilà. Une belle prise. Voilà. J'espère que le paiement sera à la hauteur. Ok. Donc là, on a eu le fusil à fusion, le fusil automatique et l'arc. Je crois qu'il m'en manque un dernier. Et après, on pourra passer sur d'autres trucs. Ah non, même pas du tout. Il n'y en a pas 4 du tout. Il y a le fusil à impulsion. Donc j'ai eu le fusil à fusion, ça c'est sûr. Fusil automatique et l'arc. Il en reste 3. De toute façon. Il y a 2 épées d'ailleurs. 2 épées et un fusil à impulsion. Bah donc, on est parti pour prendre les 3. Ah, quoique. Non, c'est bon. J'ai ouï dire qu'il y avait des limites. D'accord que les éléments altérés, c'est pour autre chose. C'est pour autre chose. Ok. Et ça, c'est... Putain, recherche, on va venir en 21, sa mère. On va essayer quand même. Stylé quand même. Et là, après, ça donnera okay, un objectif aléatoire. Ok. Comme l'avant-garde, quoi, en gros. Alors... Ah, première fois qu'on a un truc qui se ressemble. Et deuxième fois. Ok. Enfin, qu'on a un truc qui ressemble. Une arme qu'on a déjà eu quoi. Crochet de la tentation. Celle-là, elle est stylée aussi. Appuyez sur qui droit porter des attaques de projectiles lourdes. Les attaques lourdes sont plus puissantes avec la totalité de l'énergie. Les attaques contournent partiellement les boucliers élémentaires. Très bien, intéressant. Et en plus, on a l'arme vorpale, donc c'est intéressant. Ok. Ça c'est cool. Et on est déjà au niveau 4 au niveau du palier, donc c'est intéressant. J'ai un peu la flemme de tout mettre, de passer de faire de 0 à 10 à chaque fois. On s'emmerde un peu. Même si c'est pas les paliers les plus durs hein, qu'on se mette d'accord. Par exemple là ça va être chiant tu vois par exemple. Avec de la tempête. Ça hop ça dégage par exemple. Il me reparle de renégat encore. Putain, lui, putain. Oh. Bon, je dis qu'un wesh. Ça, on s'en fout. Là, il y en a 4, on sait jamais. Ok, bah après, bon. Là, on a fini tout ce qu'on pouvait faire. On est d'accord que. Yo, voilà, tout ça. Cette quête-là, voilà. Il faut faire des trucs, mais on en a plus. Il y a des ennemis de l'humanité à tuer. Le murmure, ça, c'est une autre quête. Et donc, du coup, il faudra refaire des éléments contact. Voilà. En attendant d'en avoir plus en ce qui concerne le pass. Ok. Parce que là, il nous reste 77 jours. Hein. On est. Il reste pas mal de trucs. Hop. On a des engrammes aussi à voir. Il nous reste pas mal de moments à faire. On est à un dixième du pass. Déjà. Donc, j'ai fait la plupart du temps, je l'ai fait. Oh là, quelle puissance. Incroyable. Bref. On va se donner rendez-vous dans la prochaine. Hein, une fois qu'il y aura des nouveaux contenus sur le pass de saisonnier de Destiny 2. Allez. Salut à tous.